Veuillez prendre place, mesdames et messieurs. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, la Cour est réunie pour procéder à l'installation et à la présentation de nouveaux magistrats. Nous commencerons par celle de 10 magistrats qui exerceront à la Cour, 4 conseillers, 2 avocats généraux, 2 avocats généraux référendaires et 2 auditeurs. Et puis dans un deuxième temps, nous poursuivrons en présentant 8 magistrats nommés à la Cour de cassation pour exercer leurs fonctions en cour d'appel. Il s'agit de 7 conseillers et d'un avocat général désignés respectivement comme premier président et procureur général de cour d'appel. Donc la première partie de cette audience concerne les magistrats qui sont appelés à exercer leur service au sein même de la Cour de cassation. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Nous avons l'honneur de soumettre à la Cour des décrets en date des 11 octobre, 21 décembre 2017 et 1er janvier 2018, nommant conseiller à la Cour de cassation Madame Thérèse Gilibert, présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, Madame Claire Coutou, conseiller à la Cour d'appel de Montpellier, Madame Anne-Catherine Legal-Monge, conseillère à la Cour d'appel d'Angers, et Madame Marie-Sophie Richard-Bonnemort, conseillère à la Cour d'appel de Paris, nommant avocats généraux à la Cour de cassation. Madame Anne Caron d'Église, présidente de chambre à la Cour d'appel de Versailles, Madame Anne-Marie Grivel, conseillère à la Cour d'appel de Paris, nommant avocats généraux référendaires à la Cour de cassation. Monsieur Fabrice Burgot, auditeur à la Cour de cassation. Madame Céline Matorez-Marilly, conseillère à la Cour d'appel de Versailles, en charge du secrétariat général. Nous requérons qu'il plaise à la Cour bien vouloir procéder à l'installation de ces magistrats. Nous requérons en outre que soit présenté à la Cour en qualité d'auditeur à la Cour de cassation, lesquels ont été installés par écrit le 9 janvier 2018, Madame Lorraine Digot, vice-présidente au tribunal de grande instance de Créteil, chargée du service du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, Monsieur Jean-François Lecoq, premier substitut à l'administration centrale du ministère de la Justice, et je désigne Madame l'avocat général Claudette Nicolétis afin d'introduire les magistrats installés. Il va être procédé aux installations et présentations requises par Monsieur le procureur général. Je prie Madame le conseiller Péco-Rivolier et Madame l'avocat général Nicolétis de bien vouloir se rendre dans la chambre du conseil afin d'introduire les magistrats nouvellement nommés. Madame le directeur de grève, veuillez donner lecture des décrets de nomination, s'il vous plaît. Par décret du président de la République en date du 11 octobre 2017, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, lors de sa séance du 21 septembre 2017, sont nommés conseillers à la Cour de cassation Madame Marie-Thérèse Gilibert, présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, Madame Claire Coutou, conseillère à la Cour d'appel de Montpellier, Madame Anne-Catherine Legal-Monge, conseillère à la Cour d'appel d'Angers, et Madame Marie-Sophie Richard-Bonnemort,
conseiller à la Cour d'appel de Paris. Par décret du président de la République en date du 1er janvier 2018, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de ses séances des 24 et 26 octobre, 14 et 29 novembre et 5 décembre 2017, sont nommés avocats généraux à la Cour de cassation, Madame Anne Caron d'Église, présidente chambre à la Cour d'appel de Versailles, et Madame Anne-Marie Grivel, conseillère à la Cour d'appel de Paris. Par décret du président de la République en date des 21 décembre 2017 et 1er janvier 2018, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de ses séances des 24 et 26 octobre, 12 et 13 décembre 2017, sont nommés avocats généraux référendaires à la Cour de cassation, M. Fabrice Burgot, auditeur à la dite Cour, et Mme Céline Matorez-Marilly, conseiller chargé du secrétariat général de la Cour d'appel de Versailles. Merci, Madame le Directeur. La Cour donne acte à Monsieur le Procureur général de ses réquisitions et à Madame le Directeur de greffe de la lecture des décrets de nomination dont elle ordonne la transcription sur le registre des délibérations. Elle déclare les magistrats nouvellement nommés installés dans leurs fonctions et dit que du tout, il sera dressé procès-verbal. La Cour vous invite, mes chers collègues, à occuper les sièges qui vous sont réservés. Eh bien, la Cour est heureuse de souhaiter la bienvenue à Madame Marie-Thérèse Gilibert, tout d'abord. Vous comptez, chers collègues, 33 ans de carrière dans des juridictions du Nord et de l'Est de notre pays, où vous avez exercé les fonctions du siège les plus variées en matière civile, pénale, commerciale et sociale. Vous avez en effet passé 13 ans en tribunal d'instance, où vous avez pratiqué la départition prud'homale. Votre riche expérience sera précieuse à la chambre sociale de notre cour à laquelle vous êtes affectée. Bienvenue également à Madame Claire Coutou. Votre carrière de plus de 30 ans a commencé au parquet, où vous avez exercé pendant 15 ans les fonctions de substitut et de procureur de la République, avant d'être affecté comme conseiller référendaire à la Cour de cassation en 2002. Vous y êtes resté 10 ans. Nommé en 2012 conseiller à la Cour d'appel de Montpellier, vous y avez présidé en dernier lieu la section sécurité sociale de la Chambre sociale de cette Cour. Vous apporterez la contribution de vos compétences à la deuxième Chambre civile que vous connaissez déjà bien. Madame Anne-Catherine Le Gallemonge, après 16 années passées en tribunal d'instance, vous aussi avez occupé à partir de 2002 les fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation. Puis vous avez été nommé en 2012 conseiller à la Cour d'appel d'Angers, d'où vous nous arrivez. Vous êtes affecté à la chambre sociale de notre cour, qui bénéficiera ainsi de la grande expérience que vous avez acquise. Madame Marie-Sophie Richard-Bonnemort, vous êtes également un juge de tribunal d'instance, où vous avez passé 18 ans, avant d'être nommé vous aussi conseiller référendaire à la Cour de cassation en 2002. En 2012, vous avez été affecté à la Cour d'appel de Paris comme conseiller, et vous rejoignez maintenant également la chambre sociale de notre cour, qui est aussi dans l'attente de vos compétences. Bienvenue aussi aux nouveaux avocats généraux qui, venant du siège, intègrent notre parquet général. Je laisserai Monsieur le procureur général les présenter plus amplement, me limitant donc à saluer l'arrivée à la cour de Madame Caron d'Église,
affectée en dernier lieu à la cour de Versailles, où elle exerçait les fonctions de président de chambre, et Madame Grivel, conseiller à la cour d'appel de Paris, qui retrouve la cour de cassation après y avoir été, elle aussi, conseiller référendaire pendant 10 ans. Je voudrais saluer aussi l'arrivée au parquet général en tant qu'avocat généraux référendaire de 2 autres magistrats venant du siège, M. Fabrice Burgot, qui connaît bien la Cour, où il a été auditeur pendant 7 ans, responsable du Bureau du droit européen, et Mme Céline Matorez-Marilly, qui exerçait jusqu'à présent les fonctions de conseiller secrétaire général à la Cour d'appel de Versailles. Enfin, je suis heureux de présenter à la Cour 2 nouveaux auditeurs. La fonction d'auditeur à la Cour de cassation reste, hélas, insuffisamment connue, ainsi qu'en témoigne le faible nombre de candidatures reçues pour l'exercer. Nous avons beaucoup à faire, sans doute, pour développer l'attractivité de cette fonction auprès de nos jeunes collègues des juridictions. Elle leur offre en effet l'occasion de diversifier leur expérience en remplissant une mission originale de la magistrature spécifique à la Cour de cassation. J'aurai l'occasion d'y revenir. Bienvenue donc à Madame Lorraine Digot, qui a exercé au tribunal d'instance de Poitiers, de Lille et de Nogent-sur-Marne depuis son entrée dans la magistrature en 2004 et qui a rejoint le bureau du contentieux de la 2e chambre civile du service de documentation des études et du rapport de la Cour. Et bienvenue aussi à Monsieur Jean-François Lecoq, qui, après avoir commencé sa carrière au tribunal d'instance de Morlaix en 2008, a rejoint en 2013 la direction des affaires civiles et du Sceau, d'où il nous arrive. Il a été affecté par le directeur du service au bureau du contentieux de la Chambre commerciale. Monsieur le procureur général, vous avez de nouveau la parole. Merci, Monsieur le Premier Président. L'installation de nouveaux conseillers et avocats généraux est toujours un moment particulier, à la fois émouvant et symbolique, car vous voilà tous maintenant pleinement acteurs de la vie de notre cour. C'est ainsi qu'en mon nom, celui de l'ensemble des membres du parquet général, j'ai plaisir à souhaiter la bienvenue aux nouveaux conseillers installés aujourd'hui. Madame Marie-Thérèse Gilibert, vous allez découvrir notre cour, ce lieu magique dédié au droit où l'on revient avec plaisir, comme Mesdames Claire Coutou, Anne-Catherine Le Gallemonge et Madame Anne-Sophie Richard Bonnemort, qui, toutes trois, nous reviennent après leur référendariat et de belles années passées dans les cours de Montpellier, Angers et Paris. Vos riches parcours professionnels sont essentiels à la Cour, qui a tant besoin aussi de votre expérience dans les juridictions du fond. Nous accueillons également aujourd'hui 2 avocats généraux qui nous viennent tous deux du siège des grandes cours d'Île-de-France. Madame Anne Caron d'Église, tout d'abord, votre carrière s'est en effet déroulée exclusivement au siège, mis à part une courte période de fonction en cabinet. Après avoir été juge au sein des tribunaux de Troyes, de Fontainebleau, de Besançon, qui a été pendant de longues années votre port d'attache, vous serez nommé conseiller à la Cour d'appel de Paris. En 2014, vous rejoignez le cabinet de la secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie, en tant que conseiller chargé des droits et de l'autonomie des personnes, avant d'être élevé l'année suivante aux fonctions de président de chambre à la Cour d'appel de Versailles. Forte de cette belle expérience,
vous rejoignez aujourd'hui notre parquet général et plus particulièrement la première chambre civile où vous êtes attendu avec impatience. Madame Anne-Marie Grivel, vous débutez votre carrière en qualité de substitut au parquet de Rouen avant d'être nommée successivement juge à Pontoise puis à Paris, chargée notamment des fonctions de l'instance. En 2002, vous rejoignez les rangs des conseillers référendaires de cette cour où vous resterez jusqu'en 2012, date à laquelle vous êtes nommé conseiller à la Cour d'appel de Paris. En raison de vos connaissances particulièrement reconnues en droit du travail, je vous ai affecté à la Chambre sociale, où j'en suis convaincu, vos conclusions seront recherchées. À toutes deux, je souhaite la bienvenue dans notre belle maison et vous réitère, au nom de tous les magistrats du parquet général, mes vives félicitations. Nous avons également le plaisir, d'installer aujourd'hui à la Cour deux avocats généraux référendaires. Madame Céline Mathorez-Marilly, vous débutez votre carrière à Douai dans des fonctions de juge de l'application des peines, puis de juge d'instruction, avant de rejoindre en qualité de vice-président placé la Cour d'appel de Douai, où la première présidente, Madame Dominique Lottin, alors Premier Président, vous attache à son cabinet. Votre réussite dans ses fonctions conduit cette dernière à vous demander de la suivre à Versailles, où elle vous confie le secrétariat général de la Cour. C'est riche de ces différentes expériences réussies et précédées d'une réputation déjà bien connue, au sein même de mon cabinet d'ailleurs, que vous êtes aujourd'hui accueilli à la Cour, rejoignant la première chambre civile, où vous allez désormais œuvrer. Monsieur Fabrice Burgot, après avoir exercé les fonctions de juge d'instruction, vous rejoignez le parquet de Paris, où vous êtes affecté au sein de différentes sections de ce parquet, plus précisément d'abord au contentieux général, puis à l'antiterrorisme, et enfin à l'exécution des peines, et c'est dans ces dernières fonctions que j'ai pu apprécier, en des moments difficiles, à la fois l'homme, le juriste et le magistrat. En 2011, vous êtes nommé auditeur à la Cour de cassation, chef du bureau du droit européen, où votre engagement dans le dialogue des juges a été particulièrement salué. Au terme de 6 années d'auditorat, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons en qualité d'avocat général référendaire que vous exercerez à la 3e chambre civile où je vous ai affecté. Je suis convaincu que tous vous trouverez rapidement au sein de cette maison, dans le dialogue renouvelé des conseillers et des avocats généraux, mais aussi à travers les échanges nourris avec les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, de nombreuses sources de satisfaction professionnelles et personnelles. Enfin, qu'il me soit également permis de saluer l'arrivée, la présentation de 2 auditeurs installés à la Cour de cassation le 9 janvier dernier, Madame Lorraine Digot et Monsieur Jean-François Lecoq, viennent en effet renforcer le service de documentation des études et du rapport de la Cour, où ils sont respectivement chargés de piloter les bureaux du contentieux de la 2e Chambre et celui des contentieux de la Chambre commerciale. Vous mesurerez bien vite combien ce service est stratégique pour la Cour tout entière et son parquet général. Bien, nous allons maintenant présenter les conseillers installés à la Cour pour exercer les fonctions de premier président de Cour d'appel, ainsi que l'avocat général installé pour exercer les fonctions de procureur général près une Cour d'appel. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Nous requérons que soit présenté à la Cour Monsieur Philippe Cavalleri, nommé conseiller à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de premier président de la Cour d'appel de Basse-Terre, installé dans ses fonctions par écrit
le 12 septembre 2017. Madame Marie-Laure Rinsart-Piazza, nommée conseillère à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de premier président de la Cour d'appel de Cayenne, installée par écrit le 10 octobre 2017. Monsieur Tristan Gervais de Lafond, nommé conseiller à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de premier président de la Cour d'appel de Montpellier, installé dans ses fonctions le 5 décembre 2017. Madame Florence Pébernès, nommée conseillère à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de premier président de la Cour d'appel d'Orléans, installée par écrit le 5 décembre 2017. Madame Nicole Jarnot, nommée conseillère à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de premier président de la Cour d'appel de Colmar, installée par écrit le 12 décembre 2017. Monsieur Jacques Boulard, nommé conseiller à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de premier président de la Cour d'appel de Toulouse, installé par écrit le 12 décembre 2017, de Madame Catherine Farinelli, nommée conseillère à la Cour de cassation, pour exercer les fonctions de premier président de la Cour d'appel d'Amiens, installé par écrit le 9 janvier 2018. Enfin, de Monsieur Éric Lallemand, nommé avocat général à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de procureur général près la Cour d'appel de Colmar, fonction dans laquelle il a été installé le 21 décembre 2017. Bien, la Cour donne acte à Monsieur le procureur général de ces réquisitions et vous invite, chers collègues, à occuper les sièges qui vous sont réservés au sein de la Cour. Cette audience est donc l'occasion pour la Cour de cassation de présenter tous ses voeux de succès dans leur nouvelle fonction. Tout d'abord à Monsieur Philippe Cavalry, dont l'expérience de 33 ans, acquise en particulier au siège de nombreuses juridictions de métropole et d'outre-mer, et en dernier lieu comme président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion pendant 5 ans, puis comme président du tribunal de grande instance de Rouen pendant 5 ans également, l'a qualifié pour occuper la première présidence de la Cour d'appel de Basse-Terre. Madame Marie-Laure Rinsart-Piazza, dont la carrière débutait il y a 28 ans au parquet, et ceci pendant 9 ans, puis continuait dans de multiples affectations au siège, dont la présidence du tribunal de grande instance de Mamoudzou pendant 3 ans et la fonction de président de chambre à la cour d'appel de Bastia au cours des 3 dernières années, se poursuit désormais comme premier président de la cour d'appel de Cayenne. Monsieur Tristan Gervais de Lafond, magistrat depuis 31 ans, dont la longue pratique des relations internationales, complété par la présidence pendant 6 ans des tribunaux de grande instance de Fort-de-France et de Lille, l'a conduit à devenir premier président de la Cour d'appel de Montpellier. Tous nos voeux également à Madame Florence Pébernès, magistrat du siège également depuis 31 ans, ayant occupé en dernier lieu pendant 9 ans les présidences des tribunaux de grande instance de Rodez et de Valenciennes, et qui a quant à elle été affectée à la première présidence de la Cour d'appel d'Orléans. À Madame Nicole Jarnot, magistrat du siège depuis 35 ans, ayant occupé notamment pendant 11 ans les présidences des tribunaux de grande instance de La Rochelle, de Boulogne-sur-Mer et d'Évry, et qui a été désignée comme premier président de la Cour d'appel de Colmar. Meilleurs vœux également à Monsieur Jacques Boulard, riche de l'expérience acquise au parquet puis à l'administration centrale pendant les 15 premières années de sa carrière, ainsi qu'à la présidence de tribunaux de grande instance depuis 2003 à Libourne, Reims,
Valenciennes et Nanterre, et qui est désormais premier président de la Cour d'appel de Toulouse. Tous les vœux de la Cour aussi à Madame Catherine Farinelli, que sa longue carrière de 37 ans au siège, marquée notamment par la présidence du tribunal de grande instance de Rion durant 4 ans et en dernier lieu par l'affectation comme président de chambre à la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, a conduite à la première présidence de la Cour d'appel d'Amiens. De même, nous sommes heureux de saluer la nomination de M. Éric Lallemand en tant qu'avocat général à la Cour pour exercer les fonctions de procureur général près la Cour d'appel de Colmar, de sorte que c'est M. le procureur général qui le présentera plus amplement à la Cour. Vous avez la parole, M. le procureur général. Je vous remercie, Monsieur le Premier Président. C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir d'assister à la présentation à la Cour de 8 chefs de Cour d'appel, 7 conseillers exerçant les fonctions de Premier Président et un avocat général pour exercer celle de Procureur général. En tout premier lieu, je forme des vœux sans inquiétude, chaleureux de réussite à nos nouveaux premiers présidents, dont les parcours respectifs sont le gage de plein succès dans des fonctions que nous savons très exigeantes. Permettez-moi à cet instant de féliciter aussi M. Éric Lallemand, procureur général près la Cour d'appel de Colmar, en évoquant quelques traits de sa longue carrière. Après avoir débuté au sein des parquets de Blois, puis de Tours et d'Arras, vous exercerez en position de détachement des fonctions de responsabilité très diverses qui enrichiront votre horizon professionnel. Notamment en qualité de sous-préfet, puis de sous-directeur à l'administration pénitentiaire, de secrétaire général pour les affaires régionales de la région Champagne-Ardenne, et enfin de chef de service au secrétariat général de la chancellerie. De retour en juridiction, vous êtes successivement nommé procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon, puis dans les mêmes fonctions auprès du tribunal de grande instance d'Évry. Vous voilà en Alsace pour exercer des fonctions de chef de cour et plus particulièrement de procureur général près la cour d'appel de Colmar. De confiance, je vous souhaite une très belle réussite dans ces fonctions cardinales du ministère public. Chers collègues qui êtes accueillis aujourd'hui, au-delà de la diversité de vos fonctions respectives, le point commun qui vous réunit tous et qui vous réunit à nous est l'appartenance à la Cour de cassation qu'on peut qualifier de maison mère de la justice française. Non seulement parce que son premier rôle est d'assurer l'unification du droit, mais aussi parce qu'elle est au cœur des réflexions d'avenir qui sont à mener, à la fois sur elle-même en tant que cour régulatrice et sur la justice dans son ensemble. La Cour de cassation constitue en effet un observatoire et un centre d'analyse des problématiques judiciaires, de sorte que son expression dans les débats d'intérêt public qui se développent à ce sujet est légitime. Nous l'avons vu récemment avec les débats qui ont suivi la remise du rapport du professeur Bouvier sur le positionnement institutionnel et budgétaire de l'autorité judiciaire. La Cour est interpellée et elle réfléchit de longue date sur les conditions de son accès aux justiciables à travers les 30 000 pourvois qu'elle traite chaque année et dont les trois quarts sont rejetés. Elle réfléchit aussi à l'intelligibilité de ses décisions
qui sont destinées à offrir des réponses et non à susciter des interrogations sur l'application du droit. L'introduction dans nos décisions des opinions divergentes évoquées ici même il y a 8 jours par le président de la République en vue de mieux intégrer notre cour dans les débats de société fait écho à ce besoin exprimé dans l'opinion publique d'un enrichissement des motifs de nos arrêts. Des groupes de réflexion sont à l'œuvre depuis 3 ans sur ces thèmes et rendront leurs conclusions d'ici l'été afin de proposer une traduction législative à leurs travaux. C'est ce mouvement que vous rejoignez, chers collègues, et auquel vous pourrez dès maintenant apporter votre contribution. Je veux signaler en particulier le rôle novateur désormais reconnu à nos avocats généraux, d'éclairer la Cour sur la portée de ses décisions. Il offre des perspectives d'ouverture et de recherche extra- et parajuridiques considérables qui sont indispensables à notre Cour afin de l'aider à mieux construire ses décisions dans le contexte toujours plus riche de considérations multiples où elles doivent intervenir. Mais la justice ne se limite pas, loin de là, à la Cour de cassation. Nous le voyons bien actuellement où de nouveaux projets de réforme commencent à prendre corps pour tenter de mieux répondre, avec plus ou moins d'ambition, aux attentes de notre temps. On ne peut manquer évidemment de faire allusion à l'un de ces défis majeurs, connu sous l'anglo-latinisme open data, l'accès libre et transparent de toute la production judiciaire aux yeux de la société pour qui cette production existe. La Cour a participé aux réflexions conduites à ce sujet par la mission du professeur Cadier, qui a récemment rendu son rapport et qui préconise que la Cour de cassation pilote cette opération de grande envergure, comme elle a commencé à le faire par sa gestion des premières banques de données, notamment en se dotant des moyens d'anonymiser les décisions. Les perspectives ouvertes par l'open data sont appelées à exercer un effet non seulement sur le métier d'avocat, en le rendant davantage médiateur, et celui de juge, en le rendant plus collectif, mais aussi sur le procès lui-même, en le ciblant sur le premier juge, en centrant le rôle du juge d'appel sur le contrôle, et en orientant celui du juge de cassation sur la précision de la norme. C'est à l'accompagnement de cette évolution majeure que vous êtes conviés aussi, chers collègues, à la Cour de cassation, qui va devoir traiter de nombreuses questions pratiques. Je pense en particulier à l'harmonisation de la forme des arrêts et des jugements pour mieux répondre aux besoins du traitement de masse, harmonisation où les premiers présidents des cours d'appel auront un rôle essentiel à jouer aux côtés de la Cour de cassation. Tout ceci met en évidence, s'il en est besoin, la spécificité des métiers de la Cour de cassation, spécificité souvent méconnue et desservie par une attractivité insuffisamment pensée. Je le disais tout à l'heure, le métier d'auditeur à la Cour de cassation, qui s'exerce soit au service de documentation, des études et du rapport, pivot des réflexions menées dans l'institution, soit au cabinet du premier président, attire peu de candidats malgré l'intérêt intellectuel fort qu'il représente.
C'est pourquoi une mission a été confiée au président Tardif pour faire des propositions concrètes en vue de renforcer l'attractivité de l'ensemble des métiers de la Cour et aboutir avant la fin de l'année qui s'ouvre. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, la Cour est sincèrement heureuse que vous veniez enrichir son potentiel dans cette période de renouveau. Il est important que vous y teniez votre place, toute votre place, en étant convaincu que votre propre créativité et votre capacité de réflexion personnelle pourront s'y exprimer librement. En effet, il règne à la Cour de cassation, institution d'abord destinée à rendre collégialement au quotidien de multiples décisions casuistiques, il règne ici une culture de consensus qui est constamment sollicitée. C'est-à-dire que la Cour de cassation est, par essence, une institution démocratique. Or, la démocratie vit d'abord par le courage et la liberté des minorités qui s'y expriment, à la Cour de cassation comme ailleurs. Vous ne serez jamais ici déconsidéré par le caractère minoritaire de l'opinion que vous exprimerez. Au contraire, la valeur, la droiture et la mesure des idées que vous défendrez auront toujours vocation à vous gagner l'estime et le respect de tous, pour peu que vous sachiez mettre la distance nécessaire entre vous-même et les débats d'idées dans lesquels on n'engage pas sa propre personne. Oui, ne craignez jamais d'être minoritaire. Oui, la Cour de cassation est une démocratie vivante et attentive à le demeurer. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Merci, monsieur le Premier Président. En effet, la Grande Chambre accueillait, il y a tout juste une semaine, l'audience solennelle dite de rentrée de la Cour de cassation en présence du Président de la République, audience à l'occasion de laquelle des propos forts, je crois, ont résonné dans cette enceinte majestueuse, à défaut d'être dépouillée, sur la place de l'autorité judiciaire et l'avenir de la justice. Aujourd'hui, c'est une part de l'avenir de la Cour de cassation que vous représentez, vous qui, conseiller, avocats généraux, référendaires et auditeurs, venez rejoindre notre juridiction suprême de l'ordre judiciaire, apportant vos expériences, votre vécu de la justice du quotidien, rendu aux quatre coins du territoire national. Aujourd'hui également, s'affirme aussi le lien fort des chefs de cour avec notre maison, par la présentation de premier président et d'un procureur général, qui, membres désormais de la Cour de cassation, vont diriger et animer la justice dans nos régions en un moment où des bouleversements à venir nécessiteront leur engagement, leur talent et une vision claire de la place et du rôle de l'institution judiciaire dans le maillage territorial. La Cour de cassation est de tous ces défis qu'elle entend non seulement relever, mais qu'elle a largement anticipé, au moins pour certains d'entre eux. En effet, pour ceux qui vont concourir à l'œuvre de justice dans ces murs, ils vont très vite ressentir le contraste entre, d'un côté, l'apparente pesanteur des lieux et des rites, et d'un autre côté, le bouillonnement moderne des idées et des réflexions qui nourrissent les travaux de la Cour. Il vous faudra aussi vous habituer à un paradoxe d'un parquet général dont le nom cache une incongruité sémantique qui a trompé plus d'un. S'il veut bien être général, notre assemblée de juristes éminents n'est pas un parquet. Son rôle s'est profondément modifié au cours de ces 20 dernières années, notamment sous l'effet d'événements que chacun
connaît désormais. Mais fort heureusement, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier Président, constatant l'absence de définition légale précise de la mission si particulière de l'avocat général à la Cour de cassation, le législateur a, dans la loi sur la justice du XXIe siècle, précisé, en le réaffirmant, son rôle comme étant celui de la défense de la loi et du bien commun, éclairant la Cour sur la portée de la décision à intervenir. Par-delà les termes de ces belles formules, c'est le statut singulier des membres de notre parquet général et l'enjeu réel de leurs conclusions pour le travail quotidien de la Cour qui est ainsi scellé dans le marbre de la loi. J'ai par ailleurs la faiblesse de considérer que le parquet général s'est également profondément réformé par la plus grande diversité des parcours de ses membres. C'est ainsi qu'il a ouvert largement ses portes à des magistrats d'horizons différents, venant du siège ou du parquet, de province ou de Paris, de juridiction ou de l'université, mêlant en un compagnonnage libre, savant et dévoué au droit des regards, des intelligences et des expériences des plus variées. Mais la réforme de notre parquet général s'est aussi incarnée dans la spécialisation des profils recherchés. C'est ainsi qu'avec l'aide précieuse de l'autorité de proposition et le travail éclairé du Conseil supérieur de la magistrature, dont j'ai plaisir à saluer les membres dans au cours de cette audience, qu'a pu être judicieusement établie une passerelle entre compétences particulières et besoins spécifiques du parquet général, lui permettant de bénéficier de personnalités faisant autorité dans tel ou tel domaine du droit. Ce travail, côte à côte, avocats généraux et conseillers, m'apparaît, avec le recul de plus de 6 années à la tête de ce parquet général, constitué dans un réseau de compétences croisées, empreintes de respect mutuel, la clé du rayonnement de la Cour de cassation. C'est en effet dans une même synergie et dans un même élan que doit se construire l'élaboration de la réflexion juridique et conduira progressivement à une décision, sinon idéale, en tout cas respectée. La Cour n'est plus un refuge paisible et confortable pour des magistrats que les orbes brunis de la Grande Chambre viendraient rassurer. Elle est au contraire une juridiction vivante, ancrée dans la réalité économique et sociale de notre pays, engagée dans la quête d'une cohérence jurisprudentielle chaque jour plus forte et plus prévisible. C'est en tout cas dans ce sens que les avis rendus au quotidien par les magistrats du parquet participent. Au terme de cette audience, je forme des vœux chaleureux de pleine réussite dans les fonctions des uns et des autres et, à titre plus personnel, de bonnes et heureuses années. Enfin, que 2018 soit pour la Cour une année de concrétisation de projets qui, tout en perpétuant une tradition d'excellence depuis plus de 200 ans, sont destinés à projeter encore davantage la Cour dans son temps. Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres réquisitions. L'audience solennelle peut donc être levée. Je vous invite, mesdames et messieurs, à bien vouloir maintenant rejoindre l'atrium situé à l'arrière de cette grande chambre afin que nous puissions y faire plus amplement connaissance avec les nouveaux magistrats de la Cour. L'audience est levée.